tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pas vraiment parce que j'ai un rhume, tout mon visage qui est enflé. Aujourd'hui, ça va être un vlog d'une journée au travail avec moi. Alors là, je vais juste à peine de me réveiller. On ira s'apprêter ensemble et après, on va sortir sans plus tarder. Allons-y. Bon, je vais commencer d'abord par me oindre parce que mon visage il est très blanc. Moi j'utilise CeraVe, c'est vraiment bien pour les peaux grasses. Et je précise, celui qui n'a pas d'huile à l'intérieur. Sur ça, vous allez souvent voir écrit crème de nuit parce que ça n'a pas d'huile. C'est excellent si tu as une peau grasse. Moi je recommande largement parce que ça m'a beaucoup aidé. Après, je vais passer à mes cheveux qui sont un peu la catastrophe. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai encore taillé mes cheveux. Donc là, je vais essayer de les ranger du mieux que je peux. Je ne peux pas faire mieux que ça parce que je devais être en retard au travail. Donc, je devais vraiment me dépêcher. Et ça, c'est mon huile que bientôt, je vais mettre sur le marché, ma potion magique. Donc, c'est vraiment fait à base d'éléments essentiels et d'huile essentielle. Et d'huile 100% naturelle, ça protège les cheveux contre la casse, ça protège vraiment les cheveux crépus. Et si tu as aussi des cheveux lisses, c'est aussi bien pour toi. Ça protège les cheveux contre la casse, ça protège contre la chaleur. Donc, tous éléments naturels essentiels qui sont bien pour les cheveux, je les ai mis à l'intérieur de mon huile. Alors, j'espère que j'aurai beaucoup de clients quand je vais mettre sur le marché. Bon, il faut que je me dépêche si je ne veux pas arriver en retard au travail. Donc là, je vais juste prendre des chocolatines et aussi des chips. Habituellement, je mange des melons d'eau au travail, mais je n'ai pas le temps de les faire parce que j'avais prévu arriver comme 10 minutes en avance pour avoir le temps de vous montrer le résultat final de ma coiffure et aussi de mon outfit. Alors ça, c'est le résultat de ma coiffure. Je l'ai fait de la précipitation, donc c'est pas le best des best, mais j'ai fait de mon mieux. Et ensuite, voilà mon outfit en mode biker. C'est un lundi matin, je m'habille en noir. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est vraiment ce que je voulais. Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. Bon, là, je suis en poste. Je suis censée commencer comme dans 2 minutes. Donc, j'ai juste le temps de mettre ma crème sur mes mains. Et puis, je me mets sur la ligne pour recevoir mon premier appel de la journée. Alors là, j'ai reçu mon premier appel de la journée. Dans le fond, je travaille pour une agence de placement du personnel de la santé. Alors, tout ce qui est infirmière auxiliaire, préposé, technologue, éducateur spécialisé, physiothérapeute. Je travaille dans cette agence de placement-là. Donc, quand ils ont reçu un premier recrutement des recruteurs, moi, je fais un deuxième recrutement pour savoir c'est quoi le besoin, pour prendre leur disponibilité, pour savoir dans quoi ils aimeraient travailler, s'ils ont des centres spécifiques qu'ils aimeraient travailler, c'est quoi la distance maximale qu'ils peuvent faire, quand est-ce qu'ils sont prêts à commencer, c'est quoi leurs besoins, ils veulent une assignation ou bien ils veulent des cas au jour le jour. Donc c'est en fait ça, donc je note toutes leurs préférences de telle sorte que si j'ai un contrat, je sais déjà quelles ressources je vais appeler. Donc c'est à peu près ça. Et aussi lorsqu'il y a des cas pour le jour, donc dans des cas pour aujourd'hui ou bien pour demain, j'appelle aussi des ressources pour proposer aussi. Et si jamais il y a une ressource qui a manqué à son cas de travail, tu dois chercher une personne aussi pour remplacer la ressource là. C'est à ce moment que c'est un peu stressant, mais sinon dans la plupart des cas c'est vraiment pas stressant. Donc, c'est en fait ça mon travail. Je demande aux ressources dans quelle région ils aimeraient travailler, s'ils aimeraient avoir un travail à temps complet ou bien juste des cas à temps partiel, dans des cas au jour le jour. Alors là, c'est ma pause. Je suis allée me faire une vanille française de Tim Hortons parce que je ne bois pas le café, ça me donne des palpitations. Et puis là, j'ai aussi profité pour vous montrer la gamine que je suis. Regardez comment mon bureau est plein de cochonneries.
Et puis là, je suis à ma pause de 30. Comme j'ai oublié mon melon d'eau, encore dit la pastèque à la maison, j'ai pas pu le faire. Donc, du coup, je me contente de manger juste ma chocolatine en espérant que ma journée puisse vite passer pour que je rentre chez moi, me reposer et manger un repas bien complet. Bon, là, je suis rentrée chez moi. Maintenant, je suis en train de cuisiner. Les repas que j'ai fait le week-end qui sont au frigo, ça ne me tente pas trop de les manger. J'ai envie de manger les pâtes. Alors, comme c'est vite fait, j'ai dit, ok, je vais donc juste faire les pâtes parce que ça ne me prend pas plus d'une heure pour les faire. Alors, c'est ça que je suis en train de faire, cuisiner les pâtes. Ok, je vais vous montrer ma cuisine. Je trouve que c'est vraiment pratique d'avoir des bocals comme ça chez toi pour mettre soit des pâtes ou bien des épices à l'intérieur. Moi, par exemple, tous mes épices sont dans des bocals comme ça. Un jour, je vais vous faire un petit tutoriel de comment je range ma cuisine. Bon, là, j'ai fini de cuisiner et j'ai déjà mangé. Et là, j'ai mis ma série pour visionner en même temps que je digère. Et après, je m'en vais me coucher pour dormir. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime trop dormir avec des petites lumières comme ça. Alors, ça va être tout pour notre vlog. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu. Likez et abonnez-vous. Bisous.